d'années de première année et qu'il n'y avait pas de confinement à l'époque. Mais quand... Exo, est-ce qu'on va refaire dans l'exercice qui est là ? Pour montrer que f de x est une fonction de répartition d'une variable à densité, il faut faire deux choses, entre guillemets. Pour qu'elle soit une fonction de répartition d'une variable à densité, c'est plutôt cette partie-là, variable à densité, c'est ce qui est lié, ce que j'appelle le point 1. Alors normalement, ça paraît logique plutôt de le faire dans l'autre sens, mais je vais expliquer pourquoi on le fait comme ça, ce qu'on a fait dans l'autre exo. Donc on montre qu'elle est continue sur R et c'est 1 sur R. Et ici, c'est éventuellement privé d'un nombre fini de points. Notamment, ça veut dire quelque chose, c'est que quand il y a un raccord, pour ce point-là, on ne s'embête pas avec les raccords. Ça veut juste dire ça. On s'embête pas avec ceci. Alors, pourquoi on commence par ça ? Parce que pour montrer que normalement, la première partie, pour montrer que quelque chose est une fonction de répartition, il faut prouver que la fonction est croissante et trouver que la limite fait 0 en moins l'infini et la limite fait 1 en plus l'infini. Mais avoir de la continuité ici, c'est ce qui nous est arrivé dans notre exo et c'est ce qui va nous arriver pour notre exo à plusieurs exo 4 qu'on va faire là. D'abord avoir établi la continuité est important pour pouvoir établir la croissance. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par ce point-là pour avoir accès à la continuité pour pouvoir prouver ensuite la croissance. Donc voilà un canevas typique d'exo qu'il faut savoir faire, montrer qu'une fonction est une fonction de répartition d'une variable à densité. J'en profite, on le verra à travers différents exos plus tard, plutôt la semaine prochaine, vu que cette semaine on va plutôt essayer de boucler les choses sur le cours. Mais attention, si un énoncé vous dit soit fx une fonction de répartition, et il vous donne l'expression, par exemple cette expression-là, fx de x, je vous en ai déjà parlé, mais qui vaudrait 0 si x est négatif, et qui vaudrait 1 moins exponentielle moins x si x est strictement positif, et qu'on vous demande de montrer que fx est une FDR d'une variable à densité, puisque l'énoncé écrit que c'est déjà une fonction de répartition, si on vous demande de prouver ceci, il ne reste plus qu'à prouver le point 1 uniquement. Si on vous met dans l'énoncé « ceci est une fonction de répartition », vous n'avez pas besoin de vérifier le point 2. Mais si on vous dit « voilà une fonction, montrer que c'est une fonction de répartition de variable à densité », il faut faire les deux points. C'est d'ailleurs le cas de mon exo 4. Allons-y, faisons l'exercice 4, après on continuera un peu le cours et on aura un peu bouclé les choses que je voulais voir cette semaine. On fera des exos sur la fin de l'heure et sur vendredi. Oui, Baptiste. Excusez-moi, monsieur, j'arrive pas à lire ce qui est écrit en vert, s'il vous plaît. Ce que j'étais en train d'effacer, c'est juste que pour dire que le fait que la fonction est de classe C1 sur R éventuellement privée d'un nombre fini de points, c'est juste pour dire qu'on ne s'embête pas s'il y a des raccords. S'il y a des points de raccord, on ne s'embête pas pour aller vérifier la dérivabilité au niveau des raccords. Ça sert juste à ça, hein, ce point de cours-là. Ok, merci. Alors allons-y, je reprends mon chapitre, je remets dans le chat l'exercice 4 que je voulais que vous en traite. Hop. Alors surtout les questions 1 et 2, la question 3 on ne peut pas encore la faire, je ne vous ai pas encore parlé d'espérance, on le fera plus tard, ça sûrement la semaine prochaine seulement. Voilà, alors mon exercice 4, donc je vous donne une fonction qui a 3 expressions. Et on va vouloir voir, montrer que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité. Cette fonction, en fait, on l'a déjà travaillée au niveau du premier semestre. On a juste étudié sa continuité. Donc, on l'a déjà fait, la partie continuité. On va la refaire. Mais allons-y. Donc, je pose fx. Alors, je n'ai même pas appelé ça lié à une variable aléatoire x. Juste noter ça grand f. Donc, grand f de x, elle vaut 1 demi d'exponentielle x. Si x est strictement négatif, vous avez le sujet, hein, 1 demi de racine de 3 sinus x plus cos x si x est entre 0 et pi sur 3. Et elle a une troisième expression qui est 1 si x est plus grand strictement que pi sur 3. Et donc on veut montrer que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité. Donc la première chose que je vais faire, c'est étudier le domaine de continuité de cette fonction. Je vais parler de toutes les fonctions de référence qui sont impliquées là-dedans, mais il n'y a aucun souci. La fonction exponentielle x
et continue sur R, je vais mettre entre parenthèses, donc continue sur ce qui nous intéresse nous ici, c'est sur moins l'infini 0. La fonction 1 demi de racine de 3 sinus x plus cos x, bah celle-là aussi c'est une fonction de référence, donc on sait qu'elle est continue sur R. Mais donc ce qui nous intéresse pour cet exercice-ci, c'est continue sur 0 pi sur 3 fermé. Et enfin la fonction qui a x donne 1, la fonction continue, enfin la fonction constante égale à 1, elle est aussi continue sur R, donc ici continue sur pi sur 3 plus l'infini. Je perds mon expression, je vais effacer ce que j'avais mis là. Je vais remettre un attention ici, c'est ce que je viens de dire à l'oral, mais puisque j'ai une question d'Héloïse et de Baptiste là-dessus, non, de d'Alexis, attention, on ne peut pas conclure au niveau des raccords donc ici les réels raccords c'est 0 et pi sur 3 hein. Sans études supplémentaires. Et d'ailleurs, tiens, je vais juste corriger quelque chose que je viens de faire, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Je viens de parler de C0 partout, vu que je veux parler de la continuité, mais après, je dois aussi parler de C1. Donc, je ne vais pas m'embêter. Vous pouvez remplacer tous les 0 par des 1, ça ne modifie strictement rien ici, ce qui va nous permettre de gagner un tout petit peu de temps. Oui, toutes ces fonctions, de toute façon, il n'y a rien qui change. Elles sont C1 sur les domaines qu'on veut. Elles sont même C-infini. On pourrait même donner C-infini, ça ne changerait rien. Au final, à partir de tous les arguments qu'on vient de dire, on a donc la fonction grand F qui va être de classe C1 sur R privé. Pour le moment, c'est juste qu'on ne peut pas conclure. On ne dit pas qu'elle n'est pas C1 en ces points-là. On dit qu'on ne peut pas conclure pour le moment. Privé de 0 et de pi sur 3. Donc c'était l'équivalent de mes moins 1, 1 dans mon autre exo. Alors ça ne suffit pas pour le point 1. Pour le point 1, ça suffit pour le côté C1, mais il faut prouver continue sur R. Donc, continuons. Je vais garder mon expression. Quoique je l'ai dans mon poly, donc je vais me permettre d'effacer l'expression. Vous l'avez. Hein. Pour pouvoir continuer mon exo. Donc je continue là-haut. Je vais mettre étudions la continuité en 0 et pi sur 3. Alors, f de x a plusieurs expressions. Quand x est strictement négatif, elle vaut 1 demi d'exponentielle x qui tend quand x tend vers 0. Bah, c'est pas très très dur, hein. Ça fait du 1 demi d'exponentielle de 0, ça fait donc du 1 demi. Et f de x, quand x est strictement positif, alors entre guillemets x aussi plus petit que pi sur 3, sinon j'ai un souci. Son expression c'était racine de 3, ah il y a 1 demi en facteur, 1 demi racine de 3 sinus x plus cos x. Et donc ça tend quand x tend vers 0, vers 1 demi de racine de 3 fois 0 plus 1. Vous connaissez ces valeurs de cos et sin, hein, donc ça fait, pourquoi je fais du racine de 3 sur 2, excusez-moi, ça fait du 1 demi ça. Donc ces deux petits calculs nous assurent que f est continu en 0. Reste à faire la même chose en pi sur 3 et on aura prouvé la continuité. Hop. Donc grand F est continu en 0.
De même, f de x quand x est inférieur, bah tiens, je vais même me permettre, c'est inférieur ou égal quand on est dans l'expression du milieu. Donc en fait, pas besoin de s'embêter, f de x elle tend quand x est plus petit que racine de 3 et quand x tend vers pi sur 3, enfin racine 3 vers pi sur 3, ça tend clairement vers l'expression f de pi sur 3 qui vaut juste ici 1 demi de racine de 3 sinus de pi sur 3 plus cosinus de pi sur 3. Et là, on va faire du mal à quelqu'un. Où est-ce que j'ai mis mon magnifique dé? Hop. 7. Qui a le droit d'être le numéro 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Charlotte, est-ce que tu peux me parler des valeurs de sinus et de cosinus en pi sur 3? Attendez, je fais le petit dessin avec le cercle. Ok. Le cosinus, ça fait 1 demi, et le sinus, c'est racine de 3 sur 2. Parfait, c'est exactement ça, très très bien. Donc voilà ce que ça nous donne comme calcul, 1 demi fois ça. Le racine de 3 fois racine de 3 devient du 3 demi, donc ça devient du 3 demi plus 1 demi. Donc ça, ça fait du 1 demi fois à l'intérieur de la parenthèse du 4 demi, ça fait du 4 sur 4, au final ça fait 1. Donc d'un côté, ma fonction, elle tend vers 1. Et de l'autre côté, bah, ma fonction, elle est constante égale à 1. Donc je me demande bien vers quoi elle va tendre. Ça a l'air compliqué. F de x, quand x est strictement plus grand que pi sur 3, elle vaut 1. Qui tend quand x tend vers pi sur 3, sans autre forme de procès, vers 1. Donc f... Eh bien, continue en pi sur 3, ce qui implique que f est continu sur r. Donc on a bien vérifié tout mon point 1. Ça, ça fait... Si on vous avait déjà dit que f était une fonction de répartition, vous venez de prouver à l'instant que c'est la fonction de répartition d'une variable à densité. Maintenant, si on vous a juste dit montrer que cette fonction est une fonction de répartition de variable à densité, il reste à prouver fonction de répartition. Donc fonction croissante... et dont on connaît les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Donc commençons par ce qu'il y a de plus simple, les limites. Donc encore une fois, f de x, quand x est strictement négatif, c'est égal à 1 demi d'exponentielle x. Et ça, ça tend quand x tend vers moins l'infini, c'est pas très très dur. Ça fait du exponentiel de moins l'infini, hein, tout simplement. Et donc ça, ça tend vers 0. Et à l'inverse, pareil, quand f de x, ça vaut quand x est plus grand que pi sur 3, bah, ça vaut 1. Du coup, ça tend quand x tend vers plus l'infini, vers 1, sans la moindre difficulté. Il faut juste le dire sur votre copie. C'est juste, en gros, c'est surtout ces chapitres-là de variables à densité et ces exos qui vont avoir dessus, c'est beaucoup en fait de traduction de cours. Hein. Est-ce que vous connaissez votre cours? Est-ce que vous savez ce qu'il faut prouver? C'est en général pas des exercices très très durs sur la difficulté de ce qu'il faut prouver. C'est bien connaître son cours pour savoir ce qu'il faut prouver. C'est surtout ça. Voilà, on a fait les limites. Reste la croissance. Alors la croissance, il faut reprendre l'expression. Donc on connaît la dérivée. F' de x qui vaut... Enfin, on sait que c'est dérivable sur r privé de... c'était quoi? C'était 0 et pi sur 3. Et on connaît les expressions. La dérivée, bah, la dérivée d'un demi d'exponentielle x, ça va être un demi d'exponentielle x. Je vais embêter quelqu'un pour la partie du milieu. Hop. 15 en partant de la fin. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Manel, est-ce que tu peux me dériver cette fonction avec des sinus et des cosinus? Laquelle? Parce que je la vois pas.
Elle n'est pas au tableau, c'est celle que j'ai mis, que j'ai écrit, c'est la fonction f, c'est dériver la partie du milieu avec le racine de 3. Donc je t'aide, on va pas changer le 1/2 fois racine de 3, c'est juste ce qu'il y a derrière qui va changer. Ça, ce sont des constantes multiplicatives, ça ne change rien au calcul de dérivée. Et bon, je la vois pas du tout, je vois juste 1/2 EX, EX. Oui, mais c'est normal, c'est pas au tableau. Tu as dû soit la noter, soit tu as accès au chapitre 13 avec l'exercice 4 et l'expression de la fonction fx. Ah oui, ok. Alors, tout simplement, c'est de la linéarité de la dérivation, Sana, ça. Si je te demande de me dériver n'importe quelle fonction, hein, 1/2 de f prime, ça, c'est 1/2 de f prime. C'est de la linéarité. Si tu notes le prime que je mets là comme une application linéaire phi de 1/2 de f, puisque on dit que la dérivation, c'est linéaire, tu es bien d'accord qu'on peut sortir les constantes multiplicatives. Donc ça fait bien 1/2 de phi de f. C'est la même chose. Donc c'est une constante multiplicative. On a le droit de sortir les constantes multiplicatives. Donc c'est pour ça que je peux considérer que le 1/2 en facteur, je le vois comme 1/2 racine de 3 fois le terme en sinus qui va se dériver. Et l'autre terme, le 1/2 fois le terme en cosinus qui va se dériver. Mais donc je peux garder le 1/2 en facteur et je peux garder le racine de 3 en facteur du sinus. C'est juste que maintenant j'ai la dérivée de la somme avec le sinus et le sinus à faire. Alors Manel, ça fait quoi cette dérivée? Du coup, c'est 1/2 facteur de racine de 3 cos 6 moins sinx Parfait. si x appartient à 0 et sur 3. Oui, pour quand si x est entre 0 et pi sur 3, parfait. Ça vaut 0 si x est plus grand que pi sur 3. Alors attention, par contre, je viens de faire une bêtise à l'instant, je m'en rends compte, excusez-moi, je refais mes crochets. Cette fonction n'est dérivable officiellement que pas en 0 et en pi sur 3. Donc j'ai pas le droit de fermer mes crochets ici. Donc je connais la dérivée. En gros, ma fonction va être croissante si mes dérivées sont positives. Ça va me poser aucun problème ici, ça va me poser aucun problème ici. Par contre, vous voyez, et c'est pour ça que cet exercice est un niveau un tout petit peu supérieur à celui qu'on a fait mardi, prouver la positivité de la dérivée ou la croissance de la fonction ici, bah ça va redemander un petit travail particulier pour la partie du milieu. Donc on va le faire après, mais on va quand même dire le reste avant de continuer. On va dire ce qui est simple avant de faire ce qui est compliqué. Pas de soucis, Oussama. Alors, donc. L'idée ici, c'est que on a f' de x qui est clairement positive sur moins l'infini 0 et pi sur 3 plus l'infini. Sur 0 pi sur 3, on va juste dire, étudions. Le signe de tout simplement de ce qu'il y a dans la parenthèse et le demi me sert rien pour le signe, je veux étudier le signe de ça. Il faut faire une étude de signe de cette chose-là. Alors plusieurs façons, comment vous feriez pour faire l'étude de signe? Est-ce que là c'est pas. Il y a plusieurs idées. Comment vous faites? Est-ce que vous passez, en gros, la question, c'est est-ce que vous passez par une inéquation ou l'autre méthode, il y en a une autre, c'est passer par une étude de fonction. Est-ce que vous me réétudiez cette fonction-là? En fait, réétudier cette fonction-là, ce n'est pas une bonne idée ici parce qu'on va tourner en rond, si vous vous en rendez compte. Si on essaie de l'étudier, on va redériver, on va retransformer le cos en sine et le sine en. On peut transformer le sinus en cosinus. En faisant un déphasage, j'y avais pas pensé. Est-ce que ça nous aide? Ça nous aide pas beaucoup ici, Pauline.
On peut faire un déphasage, mais je vois pas ce que ça va nous apporter. À cause du racine de 3, hein, il n'y aurait pas de racine de 3, ce serait une égalité de cos, ça marcherait très très bien. Mais à cause du racine de 3, je le vois mal. Le racine de 3 faisant que c'est un facteur un peu différent. Non, je pense que là, juste résoudre une équation est possible. C'est-à-dire, on écrit ceci positif, par exemple. Ça, c'est positif, c'est équivalent donc à écrire que racine de 3 cos x est plus grand que sinus x. Oui, Baptiste? Monsieur, c'est pour les limites, pour prouver que les limites avant l'infini, elles sont 0 et en plus l'infini, elles sont 1. Oui. On prend l'expression qui nous avantage de f de x. Ah non, pas qui vous avantage, celle qui est possible au voisinage où tu es. Quand x va vers moins l'infini, tu es obligé d'utiliser l'expression quand x est négatif. Pourquoi? Ben quand x va vers moins l'infini, il est de quel signe? Ah, oui, d'accord. Et quand x va vers plus l'infini, il est plus grand ou plus petit que pi sur 3? Il est plus grand. Ben voilà, donc tu es obligé d'utiliser l'expression. Ah oui, d'accord. D'accord, j'avais pas En compris. fait, voilà, en fait, ce qui te manque et ce qui te gêne, la bâtisse, je l'ai réécrit en bleu là-haut pour la dérivée, mais c'est la même idée. Ne pas se tromper avec le fait que ça veut dire ceci, hein. Ça veut dire x appartient à ça. Donc si tu veux faire tendre x vers moins l'infini, t'es clairement dans cet intervalle-là, quoi. D'accord, Ok? merci. Ouais, merci. Oui, je sais que c'est assez nouveau, on a fait assez peu parce que c'est le premier chapitre où c'est vraiment utile, mais maintenant on va vraiment faire plein de fonctions qui ont plein d'expressions. Donc il faut arriver à digérer cette notion de plusieurs expressions, de raccords. C'est nouveau, hein, donc c'est normal que c'est pas si simple que ça. Comment vous continuez cette série d'inégalités ici? Tiens, je vais demander à quelqu'un de la faire. Hop. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hugo, comment tu continues cette série d'inégalités? Franchement, je sais pas. Indication, il faut généralement regrouper les termes en x ensemble. Alors, comme on était parti de la différence, repasser par la différence n'a pas l'air d'être terrible. Vaudrait mieux donc, maintenant qu'on est comme ça, diviser par quelque chose pour isoler les x. Est-ce que tu peux pas me faire apparaître une autre fonction de référence? Et en faisant quelle opération? Divisant par cos x, c'est Oui. comme ça, par genre. Exactement, c'est exactement ça, Julien. J'ai vu ici Simon qui levait la main aussi, je pense que c'était pour la même chose. Alors attention, si on veut multiplier par un nombre, il faut vérifier son signe. Et cosinus, puisqu'on est sur 0 pi sur 3, attention, hein, faites bien attention à ça. Il est bien positif, il n'y a pas de souci. Donc puisqu'il est positif, ça c'est la même chose que écrire. Donc sinus x sur cos x est plus petit que racine de 3, ce qui est équivalent à dire que tangente x est plus petit que racine de 3. Donc cette quantité est positive si tangente est plus petite que racine de 3. Or, je vous rappelle, je vais le refaire là-haut, mais c'est juste des connaissances que vous devez déjà avoir. On connaît la fonction tangente. C'est une fonction de référence. On connaît son tableau via le tableau de cos et sin. Mais je vous le rappelle que si on met x qui vaut entre 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Alors la fonction tangente, vous devez connaître son graphe à peu près. Le graphe de la fonction tangente, ça fait quelque chose comme ça. Donc ça fait du plus l'infini ici, ça fait du 0 ici. Et après, il faut faire les rapports de sin sur cos. Donc là, on a un petit sin sur un grand cos, ça fait du 1 sur racine de 3. Ici, ça fait du 1, ici, ça fait du racine de 3. Donc, arrivé à cette équation-là, qui est maintenant une équation sur une fonction de référence, tangente plus petit que racine de 3. On peut donc dire que ceci est vrai sur l'intervalle 0 pi sur 3 sans souci. C'est une fonction de référence. Pas besoin de le justifier, c'est toujours vrai. Donc on a bien. Donc je vais conclure là. Là en bas, j'ai juste fait mes graphes pour vous rappeler ces valeurs, mais ça c'est juste pour que vous en ayez conscience. Donc on a bien aussi f' de x qui est positif, même strictement positif, sur. Sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 3. Donc au final, j'ai une fonction, j'ai trois fonctions différentes. Oui, Maxence, excuse-moi, j'avais pas vu ta main levée.
Ouais, il y a un truc que j'ai pas compris, enfin je pense que c'est tout bête, mais là je le vois pas. C'est quand on a fait x1 sur cos x, on n'a pas montré que c'était toujours croissant pour garder le sens. Parce que cos c'est pas toujours croissant aussi. Alors, non, justement, mais non, justement. Quelle opération j'ai fait, Maxence? Tu l'as dit toi-même en l'écrivant. Est-ce que j'ai composé ou est-ce que j'ai multiplié? Ah oui, ok, ouais, c'est bon, C'est une d'accord. multiplication, donc c'est le Ouais. signe qui est important. Si D'accord. j'avais composé, ça aurait été le sens de variation. Ça Vous faites marche, souvent merci. cette erreur-là. Le nombre de fois où j'aurais dans une copie, je multiplie par 1 sur cos qui est décroissant donc, enfin ou qui est croissant donc. Non, non, c'est là, faut voir quelle opération. C'est de la multiplication, donc c'est du signe, c'est pas de la composition. Ok. François, t'as levé la main aussi? Oui. Pourquoi est-ce que eh bien on garde sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 3 puisque eh bien on sait que c'est vrai même quand l'intervalle est fermé, quand pi 0 et pi sur 3 sont compris. Pas pour la dérivée. La dérivée, j'ai dit qu'on ne pouvait rien conclure du fait que ce soit C1 ou quoi que ce soit au niveau des raccords. Donc là, Ah oui, cette c'est possible. fonction D'accord. n'est même pas dérivable entre guillemets en 0 et en pi sur 3. Si je vous devais vous faire un graphe de cette fonction, j'efface là pour faire le graphe de la fonction f. Si je devais faire un graphe de cette fonction, voilà comment elle se comporte. Elle a un raccord en 0 et un raccord en pi sur 3. Elle vaut 1 après, donc ici elle vaut constamment 1, à partir de là, entre guillemets. Elle est continue, donc je sais que ça va faire ça. On a vu qu'elle tendait vers 1,5 en 0, donc ici 1,5. Et avant c'est une exponentielle croissante, donc ça fait un truc comme ça. Et après c'est un mélange de sine cos, donc c'est une sinusoïde. Donc en gros cette fonction entre les deux, bah là ici elle fait un truc comme ça. Alors si ça se trouve, si on devait étudier un peu plus cette fonction, je suis à peu près sûr qu'elle n'est pas dérivable en 1,5. Le raccord ne se fait pas de façon lisse. Par contre, comme c'est un mélange de fonctions cos et sine, bah non, on est en pi sur 3, excusez-moi. Donc non, on est en pi sur 3, donc elle n'a pas de raison d'arriver de façon plate, cette fonction. Je refais mon graphe. Si on aurait été en pi sur 2 pour le raccord, vous savez que votre fonction cos et sine en pi sur 2, elles ont des graphes plats. Donc la tangente en arrivant aurait été plate, mais puisqu'on est en pi sur 3, le raccord ne doit pas se faire de façon plat, ça doit faire un truc comme ça en fait, tout simplement. Donc elle doit être ni dérivable en 0, ni dérivable en pi sur 3, donc cette dérivée n'existe pas. Ok François? D'accord, merci, ouais, j'avais oublié ça. J'en étais où? Oui, donc on a trois morceaux de fonctions qui sont tous croissants. Je l'ai déjà dit et je vais refaire un dessin pour le réexpliquer, c'est très important et c'est pour ça qu'il faut commencer par la continuité sur ces exercices. Ça ne suffit pas à assurer la croissance de la fonction totale. Si je vous donne une fonction qui a trois expressions et dont les trois morceaux sont croissants, je peux vous faire ça comme dessin. J'ai trois fonctions croissantes, mais je n'ai pas pour autant une fonction globalement croissante sur R. Donc, ce qui permet d'assurer la croissance globale de la fonction, c'est la continuité. Donc, ce qu'on va conclure, c'est donc ceci. On a f croissante sur moins l'infini 0 sur 0 pi sur 3 et sur... Bon, on fait une phrase pour conclure, c'est pas pi sur 3 plus l'infini. Je n'ai pas besoin de faire mon accolade, j'aurais pu faire des virgules, je vais faire une vraie phrase, sinon c'est moche. Je réfasse juste pour faire une vraie phrase, sinon je trouve ça moche. Sur moins l'infini 0, j'étais en train d'écrire, virgule 0 pi sur 3 et pi sur 3 plus l'infini, avec f continue sur r, donc f est croissante sur r. Oups. C'était pas un donc, c'était un avec. Voilà.
on a bien prouvé les limites, on a bien prouvé la croissance et pas continue sur R. Ah, c'est pas possible ça. Excusez-moi. Croissante sur R. Ah. On a prouvé la croissance, on a prouvé les limites, on a prouvé la continuité sur R, on a prouvé le fait que c'était C1 presque partout. Ah. Au final, on a bien F. FDR d'une variable à densité. Voilà pour ce premier type d'exercice qu'on doit savoir faire et qui est classique. C'est la moitié des choses classiques, basiques, entre guillemets, sur les variables à densité. Est-ce que ça vous va cet exercice ? Ok, bah, à travers ces deux exercices, on a déjà fait une propriété de cours. Et j'en ai déjà parlé d'une autre hier, donc on n'a plus qu'une dernière propriété de cours pour moi à voir pour pouvoir vraiment faire la base de tout ce qui est variable à densité. Nous devons réaliser tout cela à chaque exercice. Alors ça dépend justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et on le verra à travers des exercices, Romain. Mais oui, en fait, prouver cette question-là, ce n'est pas une question dure, mais c'est une question, est-ce que vous connaissez votre cours ? Alors ça va dépendre juste quand même un tout petit peu de l'énoncé. Quand on veut vous faire passer du temps, on vous fait faire ça. Quand on veut que vous gagnez du temps, on ne vous dit pas soit f une fonction, montrer que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité, on dit soit f une fonction de répartition, montrer que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité. Dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à parler de la continuité dérivabilité. Il n'y a plus à faire tout ce qui est croissance limite. Mais on peut vous demander les deux. Ça dépend des exercices, ça dépend des sujets. Tiens, faisons une parenthèse pour parler de ça 10 secondes. Je descends dans mon poly. Non, je vais finir le cours et après je vais reparler de ça quand même 10 secondes. Non, hop. Alors, donc ce qu'on vient de voir et ce qu'on a vu hier, je vous mets dans le chat, mais c'est les propriétés 5 et 6 du poly. Ce qu'on vient de voir, ce qu'on a travaillé à travers les exercices, c'est ce que je vais appeler la caractérisation d'une fonction de répartition d'une variable à densité. Globalement, ce qu'il faut prouver pour prouver qu'une fonction f est une fonction de répartition d'une variable à densité, c'est montrer que f est continue et croissante sur R, montrer que f est de classe C1 sur R, éventuellement privée d'un nombre fini de points, et trouver les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Je vous en avais parlé hier aussi de la propriété 6 qui est juste en dessous. C'était quand je vous avais défini ce que c'était qu'une densité. Je vous avais dit que la densité de caractériser la loi de la variable si les densités étaient égales, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Puisqu'on n'a pas unicité de la densité, puisqu'il y a une infinité de densité, j'ai le droit de changer la densité en un nombre fini de points. Ça reste la densité de la même loi de probabilité. Ça ne changera rien là-dessus. Donc ça, c'est la propriété 6. Avant de passer sur la dernière propriété de cours que je voulais absolument qu'on voit, je descends un peu dans les sujets de concours juste pour vous montrer quelque chose. Là, c'est par densité. Là, c'est des variables. Là, c'est des densités. Je ne vous ai pas mis de sujet de concours avec ça. Ah, je ne vous ai pas mis de sujet de concours avec ça. Il faudrait que je vous en rajoute un. Pourquoi on n'a pas montré que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini vaut 1 ? Parce que c'est pas ça qu'il faut faire pour une fonction de répartition, Mohamed Amine. J'y arrive. C'est le point de cours que j'ai pas écrit. Ce qu'il y a une intégrale qui vaut de moins l'infini à plus l'infini qui vaut 1, c'est pas du tout la fonction de répartition. La fonction de répartition, son intégrale, on sait même pas si elle est intégrable, entre guillemets. Ce qui va avoir une intégrale qui vaut 1, c'est la densité, justement. Donc j'arrive à la propriété 4, qui est la dernière propriété de cours. Imaginons qu'on ne vous définisse pas la variable aléatoire par sa fonction de répartition, maintenant qu'on sait que ça caractérise la loi, mais par sa densité. Donc imaginons, je vous donne une fonction de densité, par exemple. On a déjà vu un exemple hier, où quand je dérivais ma fonction de répartition, je créais une fonction, par exemple, de densité qui valait 1 sur 0,1,
sur l'intervalle 0,1 et qui était nul ailleurs. Je vous l'avais dit, c'est l'équivalent de la fonction rand de Scilab, ça. Donc si ça c'est une fonction petit f, qu'est-ce qui m'assure, qu'est-ce qui caractérise le fait que petit f est une densité? Ben, pour que f soit une densité, il faut vérifier plusieurs choses, et c'est des choses qu'on a déjà dit. Puisque f est la dérivée de grand fx si c'est une densité, on a en fait forcément que f doit être continu sur R éventuellement. Privé d'un nombre fini de points. C'est important. Ensuite, donc ça a à voir entre guillemets avec le fait que fx est de classe C1 sur R. Enfin, ce que j'avais appelé hier dans le cours plutôt sur A. C'est le premier point. La continuité sur R, elle ne nous pose pas trop de problèmes ici pour ça. C'est juste une propriété du fait que ça c'est continu derrière. Bon, je peux aussi dire que c'est aussi lié à ça si vous voulez, mais voilà. Ce point-là, il nous donne ça pour la densité. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'abord ? On doit aussi savoir que fx est une fonction croissante. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça traduit pour f, sans regarder la propriété ? Pour petit f, le fait que fx est une fonction croissante, qu'est-ce qu'on va avoir comme problème ? Oui, c'est exactement ça, Pauline. Puisque c'est sa dérivée, sauf peut-être un nombre fini point, on va mettre comme nom que f est positif sur r. Et donc la dernière chose, et c'est ça qui est très compliqué à comprendre, la limite quand x tend vers moins l'infini de fx de x, ça fait 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de fx de x, ça fait 1. En fait, ça traduit quelque chose, parce qu'on a un lien pour le traduire, entre les deux qui traduit ça comme ça. On l'a déjà dit, mais je vous ai déjà dit que fx de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de fx dx. Donc, entre guillemets, la limite en 0 par moins l'infini qui vaut 0, c'est évident par cette expression-là et ça apporte rien. Par contre, la deuxième limite qui est là nous apporte le plus gros point qu'il va falloir prouver pour caractériser qu'une fonction est une densité. Il faut que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx, ça fasse 1. Donc ça va être le gros point à prouver. Donc tout ça, c'est juste la propriété 4 que je vous ai mis dans le poly. C'est ce qu'il faudra faire quand je vous donnerai un exo, montrer qu'une variable est une densité de probabilité. Ben, il faut montrer qu'elle est continue sur R, éventuellement privée d'un nombre fini point, qu'elle est à valeur positive, et que l'intégrale existe et vaut 1. Alors je rappelle, le fait que l'intégrale existe et vaut 1, puisqu'on veut la calculer, on passera beaucoup plus par des techniques de primitives que par des techniques de comparaison à Riemann ou des choses comme ça. Typiquement, dans mon exemple que j'avais mis là, je vais remettre mon axe de graphe, hein, vite fait. Mais on a bien une densité parce que j'ai bien une fonction continue sur R ici. Ma fonction est bien continue sur R privé de 0 et de 1. Donc, premier point à vérifier. C'est bien une fonction qui est tout le temps positive, soit elle est nulle, soit elle vaut 1. Donc, cette fonction, elle est bien positive. Et le troisième point. La seule surface sous l'intégrale, c'est ce qui est là, c'est la surface d'un carré de côté 1. Donc c'est base fois hauteur, la surface ça fait du 1 fois 1, ça fait bien 1. Donc tout est vérifié ici, pour ce genre d'intégrale. Alors c'est la grosse, grosse, grosse compétence qu'on va développer aujourd'hui et en partie demain. On va faire des exercices là-dessus, c'est montrer qu'une fonction est une densité de probabilité. Donc pour ça, je remonte sur mon exercice qui est page... il est page combien ? Non, je descends, pardon, sur l'exercice qui est page 5, mais qui n'a pas de numéro. On va peut-être pas tout faire, mais on va en faire une partie. Et je vais vous introduire une notation qui est ultra importante et ultra utile. Enfin, qui est pas officiellement au programme, mais je vais l'utiliser moi à tour de bras, juste parce qu'elle est utile et je vous conseille de l'utiliser. Dans les sujets de concours, vous ne l'aurez pas, cette notation. Mais ils vous donneront trois expressions à chaque fois pour pas s'embêter. Mais elle est trop utile pour pas l'utiliser.
Et en plus, elle est plus ou moins officiellement quand même au programme en deuxième année. Donc servons-en nous. Je vous donne l'exercice qu'on va faire, c'est celui-là. Et il y a une notation un peu tordue qui arrive avec, une notation qui est expliquée un peu plus haut dans le poly, c'est la remarque 1. Je vous la mets aussi dans le chat, la remarque 1. Et je vais l'expliquer. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'exercice, mais je vais expliquer la remarque 1. Donc je peux vous définir typiquement, bah, je vais refaire mon graphe, exactement celui que je viens de faire, d'une fonction qui est nulle ici, qui vaut 1 ici, et qui est nulle, pardon, qui est nulle comme ça ici. Si je dois faire l'expression de cette fonction, je vais devoir dire f de x vaut 0 si x strictement négatif, 0 si x strictement plus grand que 1, et elle vaut 1 si x appartient à 0, 1. En fait, les fonctions qui valent 0 partout sauf sur un intervalle donné, c'est lourd comme notation, ça. Du coup, on a une notation en maths pour dire la fonction est nulle ailleurs qu'un sur un certain intervalle. Écrire ça revient à dire le fait que là j'ai mis un 1, on va dire que c'est une fois, et on a une notation qui est un 1 avec une double barre, et on met un intervalle dessus. Et on va dire que cette fonction-là, c'est la fonction, c'est une fois la fonction indicatrice de l'intervalle 0,1. Donc qu'est-ce qu'elle fait la fonction indicatrice de l'intervalle i? Bah, tout simplement, c'est une fonction qui dit cette fonction vaut 1 si x appartient à i. Et elle vaut 0 sinon. Donc c'est une fonction qui dit juste je vaux 1 quand je suis dans le bon intervalle et je vaux 0 sinon. Donc typiquement, moi ça me permet de donner des expressions simples de fonctions qui ont plusieurs expressions. Si je prends par exemple la première fonction de votre exercice, de l'exercice que je vous ai mis dans le chat. La première fonction que je vous ai mis dans le chat, c'est celle-ci. C'est, je l'ai écrit comme ça, f de x, c'est moins ln x, indicatrice de l'intervalle 0, 1, ouvert en 0, fermé en 1. Ça, c'est la même chose qu'écrire que f de x, c'est la fonction qui vaut. Ben, qui vaut quoi? Est-ce que quelqu'un est capable de me décrire combien d'expressions il y a et comment ça marche? Donc allons-y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Étienne, est-ce que tu es capable de me dire combien il y a d'expressions et quelles seraient les expressions sur chaque intervalle? Est-ce que tu as compris ma notation globalement? Il faut faire comme à chaque fois en fonction de x le résultat. Oui, voilà, donc en vrai, déjà, tu as combien de morceaux pour mon expression? Il y en a 3. Exactement, parfait. Le premier c'est si, enfin voilà, si et si. C'est juste, monsieur, c'est quoi le petit 1 en fait à côté de moins ln de x? Alors c'est juste pour dire, ça veut juste dire fonction indicatrice. Fonction indicatrice de l'intervalle qui est là. Donc en gros, ça veut juste dire que la fonction est nulle en dehors de cet intervalle-là. Donc maintenant que tu m'as dit qu'il y a clairement trois morceaux, elle est nulle en dehors de 0,1. Donc si x est strictement négatif et si x est supérieur, strictement plus grand que, pardon, inférieur ou égal à 0, et si x est supérieur ou égal à 1, on sait instantanément que cette fonction vaut. 0. Voilà. Et entre deux, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut moins l'anus. Exactement, voilà, c'est juste ça. Donc est-ce que ça va aussi les autres? C'était juste pour vérifier, mais. En gros, ça revient à la. C'est exactement la même chose qu'un dans un exo que je vous écrive ceci. Et dans un sujet de concours, ce serait écrit comme ça. Pardon. Ou que je vous écrive ceci, ce qui est quand même une notation abrégée, un tout petit peu plus légère à manipuler. Donc je vais me permettre d'introduire cette notation de fonction indicatrice. Est-ce que ça vous va, cette notation? C'est juste une notation qui va nous permettre d'alléger un tout petit peu les écritures. Et pour les densités, ça va vraiment être utile. Alors, on va voir que c'est pas si utile que ça pour les fonctions de répartition, mais pour les densités, c'est vraiment très très utile. Ok. Bon, bah, si vous avez compris la notation, c'est pas strictement supérieur à 0. J'ai pas compris le c'est pas strictement supérieur à 0, Angèle. Puisque je veux la définir comme un ln,
J'ai dû mettre un 0 ouvert ici. Donc j'ai bien repris mon 0 ouvert et un inférieur ou égal à 0 ici. Normalement, j'ai fait aucune erreur là. Bah non, mais je comprends pas pourquoi c'est x inférieur ou égal à 0. Alors, en gros, si cette notion de fonction indicatrice, hop, je prends mon axe réel. Sur mon axe réel, je place le point 0 et le point 1. Clairement, mon intervalle ici, 0, 1 ici, c'est l'intervalle qui est ouvert ici et fermé ici. Donc mon intervalle de mon indicatrice, c'est ça. Est-ce que tu es bien d'accord que ça découpe R, ce que j'avais posé comme question plus ou moins à Étienne, ça découpe R en trois morceaux. Il y a un morceau ici, un morceau ici et un morceau ici. Donc il y a un morceau, c'est ce que j'ai noté ici, x négatif, donc c'est le morceau moins l'infini 0, autre façon de l'écrire, avec le 0 inclus. Il y a le deuxième morceau que je vais encadrer en bleu, non je l'ai fait en rouge, je vais l'encadrer en rouge. Ici qui est le morceau x appartient à 0, 1, ouvert en 0, fermé en 1. Et il y a le morceau bleu que j'ai noté x plus grand que 1, qui est ici le morceau x appartient à 1 plus l'infini. Donc ça fait juste que découper l'intervalle de R, et après je prends une fonction dessus. Et la fonction elle vaut 1 au milieu et 0 ailleurs. Donc elle va tout couper en dehors de l'intervalle 0, 1. Ça va mieux? Ok. Donc c'est juste, c'est vraiment, faut vraiment rien prendre de plus ça que comme une notation. Hein. Ça n'apporte rien, ça ne résout rien au problème, c'est juste une notation. Donc maintenant, on va faire mon exo. Montrons par exemple que cette fonction est une densité de probabilité. Ça a justement à voir avec la propriété 4 que je viens de vous donner. Donc pour montrer que cette fonction, montrons que f est une densité de probabilité. Donc, je vous ai donné f ici. Montrons que f est une densité de proba. Ah bah allons-y. Premier point, il y a plusieurs points à faire, faut en parler. On a la fonction nulle qui est continue sur R. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, donc continue, on va le dire comme ça. Je peux le mettre à la ligne, pourquoi je me mets là. Hop. Donc continue. Sur ce qui nous intéresse nous, c'est moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. On a x qui donne moins ln x qui est continu sur r plus étoile, donc sur 0, 1. Oui, Erwan? Bien sûr, on est obligé de préciser à chaque fois, donc continue sur l'intervalle précis ou pas? Il faut que tu justifies de... Je suis pas sûr. Je pense que je l'accepte même en concours si quelqu'un décompose bien chacune des fonctions et dit juste qu'elle est le domaine global et qu'au final il fait une phrase donc. Oui, on peut dire c'est 1, mais ici pour de la densité, Simon, C0 suffit largement. Il n'y a pas besoin de parler de C1 ici. Mais on peut dire C1, on peut dire c'est infini. C'est bon, Erwan aussi, du coup c'est juste, oui, je pense que ça suffit. C'est juste pour bien préciser où sont les expressions, mais si à la fin, globalement, tu en déduis ce qu'il faut, ça me va. Alors, attention, toujours, cette fonction a plusieurs expressions. Donc, on n'a pas le droit de conclure au niveau des raccords. Au final, f, oula, pourquoi j'ai f, et continue sur R privé des points de raccord qui sont 0 et 1. Et ça suffit. Pour prouver densité, c'est continu sauf en un nombre fini de points. Deuxième point, il faut que la fonction est positive. Il faut que ce soit positif. Bah, là, il suffit de dire que on a ln x qui est négative ou nulle sur 0, 1. C'est fonction de référence. Hein. Donc, moins ln x et eh bien un nombre positif sur 0, 1. Aucun problème, cette fonction est bien une fonction à densité.
Et dernier point, il faut montrer que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx existe et vaut 1. Alors première chose qu'on peut dire, et ça vous pouvez le faire à chaque fois que vous avez une intégrale de fonction qui est définie que sur un seul morceau, c'est-à-dire qu'elle est nulle partout, on peut déjà dire, première chose, et vous avez le droit d'écrire le symbole sans la moindre difficulté, c'est que ça, c'est le même symbole que quoi ? Alors à chaque fois, vous pouvez le développer par châle, mais c'est la même chose que écrire l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de moins ln x dx, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini de 0 dx. Je fais un peu de zèle. Si vous passez directement à la ligne qui est là, et c'est-à-dire que vous dites que l'intégrale de moins l'infini de f de x, c'est la même chose que l'intégrale de moins ln x dx, c'est la même chose. Ah, vous n'avez pas parlé de la convergence ou de l'existence. Vous dites juste que cette intégrale-là, c'est la même chose que cette intégrale-là. Donc maintenant, c'est étudions l'existence et calculons cette intégrale. Oui, François ? Mais là, du coup, comme on prend l'intégrale qui commence à 0, on va se retrouver au minimum avec une intégrale faussement impropre. Ah oui, de toute façon, j'avais une intégrale impropre de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, je me retrouve avec un intervalle sur un intervalle fini. C'est une intégrale. Alors, soit ce sera une intégrale d'une fonction continue et elle est parfaitement définie et j'ai plus qu'à calculer sa valeur. Soit c'est une intégrale impropre. Et ici, c'est bien le cas, c'est une intégrale impropre. Donc, c'est pour ça qu'on parle de justifier la convergence et la valeur. Mais puisqu'on vous demande la valeur et prouver que la valeur fait 1, pour justifier de la convergence, on va plutôt passer par des méthodes de type primitive. Parce qu'il faut calculer une valeur. Et pas par Riemann. Allons-y. Or, donc l'intégrale de 0 à 1, elle est clairement impropre en 0, cette intégrale. J'en parle même pas. Parce qu'en fait, je vais dire que c'est la limite quand epsilon tend vers 0 de l'intégrale de epsilon à 1 de moins ln x dx. Et maintenant, l'intégrale de epsilon à 1 de moins ln x dx, je vais la calculer. Je vais dire tout simplement que c'est moins l'intégrale de epsilon à 1 de ln x dx. Je vous rappelle, comme vous dira M. Pruvot, que ça fait partie du patrimoine mondial général de connaître la primitive de ln x. C'est x ln x moins x. Sinon, ça marche très très bien, on l'a fait en début d'année, il suffit de faire une IPP en primitivant 1 et en dérivant ln x pour retrouver cette primitive. Et donc j'ai ça à prendre entre epsilon et 1. Et donc ça va me faire du moins 1 moins je vais me retrouver avec du moins epsilon ln de epsilon plus epsilon. Ouais. Donc ça me fait du 1 plus epsilon ln de epsilon moins epsilon. On l'a déjà fait, je ne sais plus quand. Je pense que je l'ai fait lundi, ça. Ah, c'était dans le concours, c'était dans écrit comme VOE. Ce calcul d'intégrale, on le refait pour une millième fois, mais maintenant on change un peu de vocabulaire. Ça tend clairement quand epsilon tend vers 0. Alors ça fait du 1 plus 0 moins 0. Ce 0-là étant obtenu par croissance comparée. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx est égale à 1. Et f est une densité de probabilité. Je vais effacer tout ce qui est pu à lire, sinon vous allez tout mélanger. Est une densité de probabilité. Voilà. Voilà pour ce premier exercice. Je vais faire une remarque là-dessus. Cette variable aléatoire, c'est pour ça que j'aime bien le faire en exemple. Si je devais la tracer, cette densité, tout simplement, elle vaut 0 ici. Jusqu'en 0 inclus.
Ensuite, c'est un moins ln, donc ça fait un truc comme ça. Ça fait quelque chose ici. Et après, les constantes égales à 0. Et donc, clairement, la densité de proba, par exemple, pour trouver, si je crée une variable aléatoire x qui suit cette loi, si je veux la probabilité que x soit plus petit que 0,7, tout simplement, je me place ici au niveau de 0,7. Et la probabilité que ça fasse 0,7, c'est tout simplement la surface qui est là. Surface qui est plus petite que 1, parce que la surface totale fait 1. Voilà comment je fais des probas là-dessus. Cette variable aléatoire, elle est importante, elle est classique, pour une seule raison. C'est l'exemple, c'est le seul exemple raisonnable qu'on a propre, d'une densité qui est à support fini. Qu'on appelle à support fini, c'est juste pour dire qu'elle ne prend des valeurs que dans un intervalle fini ici, entre 0 et 1, et qui pourtant n'est pas bornée, c'est-à-dire qu'elle explose cette densité. Elle peut aller aussi haut qu'elle veut. Donc c'est un exemple classique, c'est l'exemple de référence, entre guillemets, de variable à densité qui a support fini, mais qui prend des valeurs qui peuvent aller jusqu'à l'infini. Donc en x c'est fini, et en f de x c'est infini. Ça, c'est des questions qui sont posées une fois de temps en temps. C'est pas très souvent, mais qui sont posées, je sais que dans un sujet HEC Math 2, il y a 3-4 ans, c'était une des premières questions. Peut-on avoir c'est une question ouverte, peut-on avoir une densité qui est à support fini, vu qu'il travaille avec des densités qui étaient que, dont tout le support était entre 0 et 1, mais qui n'était pas bornée. Et ça, c'était un contre-exemple. Bah oui, on peut en avoir qui sont non bornés. Prenons la fonction moins ln. Alors, ce n'est pas du cours. Vous n'avez pas à connaître cette loi par cœur. Mais c'est quand même un classique. Et c'est un exemple que je voulais faire bien et proprement. Alors, on a d'autres exemples. On va faire le 3 que je vous avais demandé de regarder si vous aviez du temps pour faire des calculs d'intégrales et de primitives. C'est un truc qu'il faut... On va devoir aussi savoir maîtriser ça, ce qui se passe en 3. Donc faisons le troisième point, on fera le 2 après. Hein. Le 2, c'est une loi classique aussi. On en parlera beaucoup. C'est peut-être la loi qui n'est pas une loi de cours qui tombe la plus souvent en concours. Ce qu'on appelle la loi de Cauchy, le 2. Ceux qui ont fait le sujet maths HEC, il y a 2 DS de ça, ils ont eu à se prendre de la loi de Cauchy sans le dire dans le sujet. Il y avait des arcs tangentes partout, c'était ça. Alors, 3, je vous donne la fonction f de x, celle-là elle va être définie sur R. C'est quoi? C'est 1/2 d'exponentielle de moins x, c'est ça que j'ai mis? Oui, c'est ça. Donc je vous donne cette fonction f de x, quel que soit x appartenant à R. Donc elle a une seule expression, on va être tranquille entre guillemets là-dessus. Et je veux montrer que c'est une variable à densité. Enfin que c'est une densité de probabilité, pardon. Donc exactement toujours ma caractérisation du point 4. Premier point. On va parler de la continuité. Donc, premier point, la fonction qui a x donne valeur absolue de x. On sait, et il n'y a pas de problème de continuité, pour la valeur absolue. D'ailleurs, Simon, tout à l'heure, tu parlais de C1. Voilà l'intérêt de se limiter à C0, parce que là, typiquement, avec la valeur absolue, tu pourrais pas me parler de C1 sur R. Et donc, tu vas te créer un problème en 0 pour rien, si tu parles de C1. Voilà pourquoi il faut se limiter à ce qu'il faut, mais c'est tout. Ça implique et la fonction exponentielle x est continue sur R. Donc par composition, on se limitera toujours à continu pour des densités. Oui, on ne parlera jamais de la dérivabilité d'une densité. Jamais. Ça ne nous intéresse pas. Pour une densité, on parlera que de C0. Pour une fonction de répartition, il faut parler de C1 pour pouvoir parler de sa dérivée, pour pouvoir parler de la densité. Donc par composition, on va tout de suite dire que l'exponentielle moins... valeur absolue de x et continue sur R. Donc aucun problème de continuité pour cette fonction. La fonction exponentielle est strictement positive sur R. C'est du cours. Donc,
Ça me paraît pas dur de dire que f de x est strictement positif pour tout x appartenant à R. J'ai prouvé le fait que cette fonction était à valeur positive. Troisième point qui est le gros morceau, il faut que je montre que l'intégrale, montrons que l'intégrale, et là c'est une vraie intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 demi d'exponentielle de moins valeur absolue de x dx, existe et vaut 1. Ok. Donc l'idée, comme je vous l'ai dit, puisque c'est du calcul ici, on va rarement passer par Riemann pour prouver la valeur. On va plutôt faire des intégrales. Alors, je vous conseille, dans un premier temps, ici ça pose aucun problème, mais j'ai pas envie de vous donner des mauvais réflexes. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais je vous conseille de mettre deux bornes différentes, A et B, pour les faire tendre après vers moins l'infini et plus l'infini. On pourrait faire du moins A. Et dans beaucoup de situations, moins AA marchera très très bien. Mais j'ai juste pas envie de vous donner des mauvais réflexes. Ça paye, ça coûte pas beaucoup plus cher de faire ceci. Pour essayer de... pour essayer de revenir à une intégrale finie et de faire tendre les limites, mais de séparer en deux morceaux. Alors pourquoi c'est un mauvais réflexe? On le verra quand on parlera d'espérance. Notamment à cause de la loi de Cauchy. Alors, je veux calculer ça, je prends un A négatif et un B positif parce que je veux faire tendre A vers moins l'infini et B vers plus l'infini. Il y a quelque chose de fondamental à dire là-dessus pour pouvoir calculer cette intégrale. C'est une idée compliquée, technique, je veux que vous l'ayez. Vous ne pouvez pas vous en sortir dans le calcul de cette intégrale sans faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi et qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il y a vraiment un truc, et là je veux... C'est trop compliqué pour que j'interroge quelqu'un au hasard. Il y a une vraie idée que je trouve pas simple. Mais j'espère que vous la développerez tous une fois qu'on l'aura vu ici. C'est ça l'idée, mais est-ce que tu peux préciser un peu plus, Alexis, par on peut séparer en deux? Tu la séparerais à partir de quelle valeur? Mais ça va être ça l'idée. En gros, c'est la même valeur à droite et à gauche. Je comprends pas ce que c'est la même valeur à droite et à gauche. Ah, par rapport à 0, oui. Alors oui, ça peut être un intérêt. Alors c'est vrai, tiens, c'est une remarque, je vais le faire après. Je vais faire comme je voulais le faire, mais ta remarque est tout à fait pertinente, Alexis. La fonction sous l'intégrale, on n'a pas fait remarquer, mais c'est clair que cette fonction-là, pas très très compliqué, mais cette fonction là elle est paire, donc c'est avec ta remarque Alexis déjà clairement, et ça va revenir à la même chose que ce que je vais faire hein. Mais clairement on l'a déjà vu, mais puisque la fonction est paire, l'intégrale de moins l'infini de f de x dx, en fait l'intégrale de moins l'infini à 0 c'est la même chose que l'intégrale de 0 à plus l'infini, donc ça va faire deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, donc il nous suffit de calculer ça, ça suffirait largement. Et si vous me dites que la fonction est paire, écrire ça est tout à fait judicieux et tout à fait correct. Mais en gros, il faut séparer, comme vous l'avez dit, par rapport à ce qui se passe, par rapport à 0 ou non. Pourquoi? Parce que si je fais l'intégrale de A à 0 d'exponentielle moins valeur absolue de x dx, plus l'intégrale de 0 à b, donc je repars de là en bas, enfin plutôt je fais venir le calcul qui était là en bas vu que j'ai plus à cette place, je sépare. En ce qui se passe en 0 ou non. Ce que je vais gagner ici, c'est un truc très très bête, c'est que sur chacun des deux intervalles, on connaît, et c'est en fait c'était la vraie idée, il faut faire disparaître, parce qu'on ne sait pas primitiver avec une valeur absolue, il faut faire disparaître la valeur absolue. Donc en fait, ça devient juste 1 demi de l'intégrale de a à 0 de exponentielle x dx, que ça devient du exponentiel moins moins x, et ici je me retrouve avec du 1 demi de l'intégrale de 0 à b de exponentiel moins x dx. Maintenant ça sont des exponentielles classiques, je sais les primitiver, donc je continue et je primitive, ça me fait du exponentiel x entre 0 et a, et ça me fait du
moins exponentielle moins x entre 0 et b. J'ai quasiment fini. Ça, ça me fait donc du... Bah, exponentielle de 0, ça fait 1 demi. Moins 1 demi d'exponentielle de a. Moins 1 demi d'exponentielle de moins b. Et je me retrouve avec du plus 1 demi d'exponentielle de 0. Donc au final, les deux 1 demi se regroupent. Ça me fait 1 moins 1 demi de exponentielle a plus... Pardon, moins... Non, c'est bien plus exponentielle de moins b. Ça, ça tend clairement... Quand a et b tendent, alors quand a tend vers moins l'infini et quand b tend vers plus l'infini, ça s'attend vers 1 moins 1 demi facteur de 0 plus 0. Ça tend vers 1. Donc on a bien que l'intégrale, je conclue là en bas pour avoir mon petit truc après. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx, ça fait bien 1. Et f est une densité de proba. Juste, je reviens là-haut. Je vais expliquer un tout petit peu plus ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui était plus ou moins, j'ai l'impression, l'idée d'Alexis. Cette fonction-là, pour tout x appartenant à R, il est clair qu'on peut dire que f de moins x, c'est 1 demi de l'exponentielle de moins la valeur absolue de moins x, sauf que la valeur absolue de moins x, c'est la même valeur absolue que x, donc ça fait f de x. Ça, ça vous dit bien que f est pair. Puisque f est pair, ça implique que l'intégrale, si je la note pas avec des a et des b, mais avec des moins a et a de f de x dx, bah en fait, puisque le graphe est symétrique par rapport à l'ordonnée, l'intégrale de moins a à a, tu mets un moins a ici et un a ici. Clairement, cette surface-là ou cette surface-là, ce sont les mêmes. Donc ça, ça fait deux fois l'intégrale de 0 à a de f de x dx. Car f est pair. Et là, on aurait gagné de la même façon parce qu'en fait, on se retrouvait avec, sur ce morceau-là, on sait que la fonction, elle valait 1 demi d'exponentielle x dx. Et donc, on pouvait finir proprement les calculs à partir de ça sans valeur absolue avec l'idée de parité. Donc c'était une très très bonne idée, l'idée de parité aussi. Il ne restait plus qu'à faire tendre A vers plus l'infini. Est-ce que ça vous va pour ce petit truc de densité, prouver que quelque chose est une densité? Ça demande à calculer des intégrales, tout simplement. Ok. Un dernier exemple et on arrêtera là. Je sais pas encore. Je réfléchis juste à un truc. Je vais faire le 2 de l'exercice là qu'on fait en cours. Je sais pas si je ferai les 2. Je pense que je ferai le 4 demain. Demain, je ferai le 4 de cet exercice. Je commencerai par faire le 4. Donc, vous pouvez commencer. Vous pouvez, vous, pour demain, regarder à faire le petit 4 de cet exercice. Mais le petit 5, je vous le laisse en exercice. Je pense pas que je le ferai. C'est la même idée que le 3, en fait. Donc, je pense pas que je le ferai en exercice, le petit 5. Du coup, comme on a pas mal avancé aujourd'hui, un peu plus que ce que je pensais, on fera peut-être quand même un petit peu d'espérance demain. On verra. Je suis pas sûr. Non, il y a assez d'exo à faire avec ça. Ou on fait du transfert. Peut-être pas. On va peut-être faire l'espérance pour faire que du transfert la semaine prochaine. Ok. On verra. Je ne suis pas encore convaincu à 100% de ce que je veux faire. Donc, c'est pas l'exercice 1. Il n'a pas de numéro, cet exercice. C'est l'exercice point d'interrogation 2. Encore une fois, je vous donne pour tout x appartenant à R, f de x, qui vaut 1 sur pi, 1 plus x carré. Je vous le dis, ça, c'est la loi qui n'est pas une loi officielle de cours, mais qu'il faut connaître par cœur. Elle est tombée en 2017, elle est tombée en 2018, elle est tombée en 2020. Elle est tombée en 2015, elle est tombée... Enfin voilà, c'est un truc qui tombe
dans différents concours régulièrement, tout le temps. Pourquoi? Parce que vous savez bien faire les calculs de primitives là-dessus. Ça permet de comprendre des choses, notamment des choses fines sur l'espérance. On n'a pas encore parlé d'espérance de variable à densité, mais quand on l'aura fait, ça permet de faire des choses vraiment fines sur cette fonction. C'est un exemple classique. Donc il faut. Enfin, ça vaut le coup de retenir cette loi, ce qu'on va faire sur cette loi de Cauchy. Et savoir mener les calculs proprement. Donc je veux montrer que c'est une variable à densité. Premier point, clairement, la fonction qui a x donne 1 plus x carré, elle est continue sur R en tant que polynôme. Par inverse, la fonction qui a x qui donne 1 sur la constante, je m'en fiche un peu royalement, 1 sur pi x carré, est continue sur R, car 1 plus x carré, c'est toujours supérieur ou égal à 1 parce qu'un carré est toujours positif pour tout x appartenant à R. Donc on a clairement une fonction continue sur R, aucun problème. On vient de dire que on a 1 plus x carré qui est toujours positif, donc clairement, enfin même qui est supérieur ou égal à 1, donc clairement f de x est toujours une fonction même, qui n'a pas besoin de mettre supérieur ou égal à 0, qui est toujours strictement positif, quel que soit x appartenant à R. J'en profite pour faire une remarque que j'ai eue sur vos DM. J'ai eu un souci avec vos DM pour la mise en ligne. Il faut que je regarde ça, vu que j'avais saturé mon espace et je ne sais pas ce qui est passé, je ne sais pas ce qui n'est pas passé. Donc il faut que je regarde ça, je vais regarder ça dans la journée. Ils seront sûrement disponibles ce soir ou demain. Je suis désolé du retard, mais j'ai eu un bug avec mon drive en fait. C'est juste moi, j'ai très mal géré mon espace de stockage et ça a bugué et je m'en étais rendu compte au moment où j'ai voulu vous donner le lien. Juste une chose que je vois de plus en plus et qui m'énerve et qui sont complètement fausses. Ça n'a rien à voir avec l'exo, hein, c'est juste pour faire une remarque. Si vous voulez me dire que. Si vous voulez dire, ah bah je vais faire une amorce pour me dire que la fonction f de x est positive. Si vous voulez faire une amorce avec ça et passer à l'inverse, si vous passez ceci à l'inverse, attention à vos inégalités, j'ai vu des choses horribles avec des ça, ça devient ceci. Plus petit que 1, ce qui est vrai, mais j'ai vu quoi de l'autre côté? Non, c'était pas dans ce sens-là. Enfin bref, il y avait un 0 qui était impliqué, on maintenait le 0. Oui, c'était pas ça, c'était imaginons, voyez donc. Je veux faire un exemple et là mon exemple ne marche pas bien. J'avais un truc qui était comme ça. Je vais dire n'importe quoi. A. Non, c'était justement avec 0. A compris entre 0 et 1. Donc 1 sur A. Qui était compris entre. Et là j'avais un plus grand que 1. Et là magie, un plus grand que 0. Non, si on passe à l'inverse ça, ça fait du 1 sur 0. Ça fait du plus l'infini et on ne l'écrit pas. Donc attention à ce genre de manipulation avec l'inverse qu'on voulait faire des amorces. Ici, vous auriez eu aussi un truc un peu particulier, c'est ça que je voulais arriver. C'est que si vous me dites que 1 plus x carré est plus grand que 1, si vous passez à l'inverse, ça vous donne 1 plus x carré plus petit que 1. Ça ne vous donne absolument pas le signe. C'est juste que la fonction inverse, elle est positive dans les positifs. Donc le fait que ça c'est plus grand que 1, ça veut bien dire que la fonction inverse est dans les positifs, donc cette fonction est strictement positive. Aucun doute là-dessus. Ce n'est pas une amorce. C'est une propriété de la fonction inverse. C'est juste que la fonction inverse est une fonction de référence. Voilà pour ça. On va terminer proprement. En calculant l'intégrale de moins a à a de 1 sur pi 1 plus x carré dx. Et là, je vais dire que c'est 1 sur pi intégrale de moins a à a de 1 sur 1 plus x carré dx. Et ma dernière victime de la journée sera... Alors, 10 en partant de la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mohamed Amine, comment on primitive cette horreur? C'est 1 sur pi arctan de x. Oui, enfin,
Oui, ceci est exactement la dérivée d'arctan, donc on primitive ceci en arctan, exactement. Donc ceci, c'est, je continue mon calcul là-bas au bout, c'est égal à 1 sur pi arctan de x à prendre entre a et moins a. Et donc ça fait du 1 sur pi arctan de a moins arctan de moins a. Et du coup, Mohamed Amine, quand je fais tendre a vers plus l'infini, vers quoi ça tend arctan de a et arctan de moins a? Quand A tend vers plus l'infini, arctan standard pi sur 2. Oui, parfait. Et par imparité d'arctan, forcément, arctan de moins a, ça tend vers moins pi Moins sur pi. 2. Donc ça me fait du 1 sur pi, pi sur 2, plus pi sur 2. Ça me fait bien du 1 au total. On a bien une densité de probabilité. Voilà. J'espère que vous avez digéré ça. Demain, je vous ai dit, faites-moi le 4 de cet exercice. On le fera en classe. Savoir si vous savez primitiver ça. Il y a une petite subtilité pour la primitive, mais il faut savoir le faire. Le 5, je vous le laisse en exo si vous voulez le faire. Il est très très bien, ça marche, il n'y a aucun souci. Je pense que demain, on va quand même parler d'espérance et de variance et de moment. Comme ça, la semaine prochaine, on fera quasiment uniquement de la transformation de Lois. Parce que c'est un gros 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 morceau qu'on n'a pas encore abordé, la transformation de Lois.